Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la promo de l'épisode de Mad Max. Donc, je me cherchais un... l'endroit où ils avaient mis le fameux tableau qu'on a ramené, et au final il m'a lancé un texte. Apparemment la fille et la gamine se sont barrées. Enfin la gamine s'est barrée, ils sont partis la rechercher avec la fille d'après ce que j'ai compris, j'ai pas le temps de lire en fait. Et vous voyez que la cage est vide, merde. Merde. Et j'ai pas trouvé le fameux tableau. Là ils prient tous face à une hélice. Ah le voilà. D'accord. Pourquoi pas. Alors, on a plein de bordel à faire, chers amis. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on ait vraiment perdu les autres... Merde. La bonne femme et sa gamine. C'est pas un monde génial pour ce genre de personnes. Merde. 1, 2, 3, c'est bon, toute la zone là est faite. Il faut cependant qu'on aille faire les différents trucs de cette région. Alors, là on a aussi quelque chose à faire, continue dans les tunnels du Nord. Là on a aussi des missions, donc on va se téléporter, il y a une mission là. Ah oui, il y a lui aussi, le camp du tyran. Il est niveau 4, c'est ça? Niveau 5. Eh ben vous savez quoi, on va laisser le faire. Hop là, on va laisser le faire dans cet épisode. C'est parti. Ça va chier, alors comme vous l'entendez peut-être, je suis encore à nouveau malade, encore et à nouveau malade. Hop, donc bon. C'est l'éclate. Hop là, on y va. On est parti. Oh, de l'asphalte. Ah, il n'y en a plus. Oh, une ville. Non, ou un ancien complexe industriel plutôt. Quoi pour pull quoi down? Bougie a donné la force d'un bloc moteur en fonte et être restant invincible de gros pneus tout terrain. Tout à fait d'accord. D'accord. Porc qui pique, le gros cahier et le trou du gueux du coin. Je le planterai au surin si j'étais toi. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Merci. Alors, périmètre très bien défendu. Entrée secrète à droite du portail principal. Attention aux sauvages au sous-sol. Utilisez la tyrolienne pour partir rapidement. Ouais, alors la dernière information est stupide. Où est la voiture? La voiture? Ah non. J'ai cru que je m'étais fait carjacker. Aïe. Hop. Salut les mecs. On rentre dans la voiture. Ah non. Bon bah tant pis, je voulais rentrer dedans. Je me suis planté de bouton. Et raté. Raté. Je vais économiser mes surins. Raté. Raté aussi. Raté. Dommage. Bon. Alors, qu'est-ce qui nous reste sur place? Allons-y. Allez bien, c'est bientôt la fin de Skyd qui garde pour rien.
D'accord, je me fais attaquer en plus. Là, autre chose. Ah. Dégage. Ok. Quoi? Pourquoi je l'ai pas eu le snipe? Si, je l'ai eu. Pourquoi j'ai toujours le camp en alerte alors? Oula, raté. C'est bête. Alors, j'ai encore le camp en alerte. Ici. Voilà, défense du périmètre éliminée. Bon, à part la voiture qui est là. Ah, parce qu'il est mort, lui. Bon. Apparemment, il est mort. Il est mort ou pas? Ah oui, il est mort. C'est bête. C'est des choses qui arrivent, chers amis. Bon alors, on m'a parlé d'un passage à côté de la porte. À droite de la porte. Heureusement, les gens de ce monde savent encore la droite de leur gauche. Aha. Bon, une relique, 4 emblèmes, 12 ferrailles. Non, tu te calmes. Toi, ok. Boum. Non, toi aussi, tu te calmes. Boum. Boum. Ah non. Calme-toi, t'es tout noir, toi. Là, mais non, pourquoi tu repars? Désolé. Saloperie de jaune. Non. Ah. Raté. Dis au revoir à ton bras. Bon. Ça, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin? Un petit peu de ferraille ici, c'est cool. Ça en fait 1 sur 12, plus que 11. J'aimerais récupérer un petit peu de ça aussi. Et je vais prendre un jerrycan. S'il est là, c'est pas sans raison. Tiens, enflammer, lâcher, courir. Passage par là aussi. Il y a une échelle là-bas, je l'avais pas trop. Enfin, j'avais pas pensé à aller la voir. À lui monter dessus. Bon. J'espère que tout va bien pour vous. J'espère que la série vous plaît, chers amis. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me tannent pour avoir le V8 et donc de continuer l'aventure principale. On fera ça en temps et en heure, vous inquiétez pas, moi aussi j'en ai envie. De ce côté là, il n'y a pas de souci. Ah, je suis trop loin sûrement. Là je touche. 4, donc plus que 3. Excusez-moi, hein. Franchement je sais que ça doit être casse-couille pour vous. Vous pouvez encore une fois remercier ma soeur pour ça. Popopo. Non, retourne d'où tu viens. Boum! Meurs! Est-ce que quelqu'un veut négocier? La voyeur ou ça? Ah oui, juste là. Appelez.
Il reste plus grand chose à son bouclier. Bam. Ah. Raté le jaune. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Bla. Et il commence à y avoir un petit peu trop de monde pour moi. Alors, est-ce qu'il y a des choses sympas à prendre? Voilà. Là, ça, ça fait mal. Mais non, je viens de me relever, je viens de me relever, je te dis. C'est de la bonne. Raté. Mais non, c'est faux. C'est faux. Bon. Bla, j'ai pas le temps de tirer au fusil à canoncier. Bon, il est dur. Continuez. Alors. Je n'ai pas le droit d'utiliser. Enfin, faut mieux pas que j'utilise mes putains de surin. Donc, on va y aller un peu plus au canoncier. Faut que je me concentre un peu plus aussi. Oh non, 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 c'est pas possible ça. Non, c'est bon, il est déjà commencé, entre guillemets. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par la grande porte. Comme ça, ce sera fait, on pourra passer les autres fois si jamais on meurt. Hop les. Et on retire une dernière fois. Voilà. Non, on n'est pas passé, pas encore. Techniquement non. Retiens-toi de dire des bêtises de ce genre là. Oh, de la ferraille qui se désagrège, c'est génial. T'inquiète, ce sera pas long. Raté. Voilà. Alors. Raté. Ah putain. Putain. Oh non! Hop là, on élimine un maximum de bonhommes avant. Putain, j'ai pas vu venir celui-là. Putain. Nom de Dieu, couché! Coup de la corde à linge! Et crac! Tam! Dégage! Putain, non! Putain. Dégage! Putain! Mais non! C'est faux! Entièrement faux. On boit un coup. Oh la vache. Non. Hop. Et deux un. Désolé pour toi, c'est la fin. Putain, j'ai pas eu le temps de le finir. Voilà. Maintenant, on continue, on va chercher les autres.
Voilà. Que justice soit rendue. Hey mec. Mais non, mais putain, mais tu bloques sur un mur invisible, t'es sérieux? Tiens, recule, 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 recule. Ça fait mal, hein. Bon. Tant bien que mal, je l'avoue. On boit un coup. Fou, c'était violent. Bon, on est à sec. Ça, ça pue, par contre. Là, il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Là, une espèce de baignoire. Ou de lit, je sais pas. Peut-être plus un lit. Parce que vu la quantité d'eau qui se trouve, oui, ce sera sans doute plus un lit. On casse ça. 1, 2 et 3. Un pied de biche. Hop là. Hop, ça en fait 4, plus que 8. On passe par là. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Rien du tout. Passage que je ne comprends pas. Alors, je me demande si on devrait pas rester en bas, mais enfin bon, c'est pas grave. Ah non, c'est parce que le truc est là, c'est ça? Voilà, c'est ça. Hop, on tourne à la vanne. On récupère un petit peu de flotte, ça nous fait du bien. Il y a un emblème derrière. Apparemment, il y a un emblème derrière. Ah, c'est cool, on va peut-être avoir un petit peu plus que prévu. Hop, on boit. Il y a un emblème derrière, il se voyait pas, hein. Parfait. On continue, on re-remplit la gourde un petit peu. Voilà. Donc on a une demi-gourde plus une santé complète. 1, 2 et 3. J'ai plus qu'une cartouche, par contre, ça fait chier. Faudra que j'aille voir sur les cadavres là-bas. Allez. Hop là. Alors, les cadavres. T'avais quelque chose sur toi, toi? Une cartouche de fusil, bon, c'est toujours ça de prix. J'ai pas un chargeur complet, mais... c'est toujours ça de prix. On prend l'arme et on prend le butin. Hop, pas de cartouche de fusil. Deux cartouches de fusil, c'est génial. C'est génial. Alors, est-ce qu'on a un emblème historique là-dedans? Relique historique, pardon. Oui, donc faudra bien regarder dans les étagères. Génial. Comme si j'avais que ça à faire. Alors, bah il est là. Parfait, on l'a trouvé. Hop, alors. Porcinet, si tu dis ça, ce sera un sacré coup de bol. Mais je dois essayer, c'est ma seule chance d'exprimer mes sentiments si je ne reviens pas. Je t'aime depuis la cinquième. Je t'adore, je t'adule, vous pouvez me censurer, enfoiré de service secret. Je t'aime et si je reviens, je trouverai un moyen de faire ça dans les règles. Si tu veux toujours de moi, Robin. Robin et Porcinet. C'est bizarre de voir des fans de Winnie l'ourson et de Batman ensemble. Je ne juge pas, hein, mais c'est bizarre. De la ferraille. Tiens donc. Bah, je t'ai pas dit de jeter ton arme. Qu'il est con. Hop, ça en fait 5, plus que 7. D'après ce que je comprends, il y a aussi des sous-sols. Donc c'est pour ça que j'aimerais, ça me surprend de pas être encore passé dedans. Alors par contre, il doit y avoir un emblème quelque part aussi. Ah voilà les fameux sous-sols. Alors, ici. Crac. Plus que 6. Plus que 5. Bon, ah ça me... j'adore ces escaliers, c'est toujours mieux que les échelles. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin? Du sable et de la merde. Des cartouches. Ça, c'est cool.
Hop là. L'emblème de Scrotus est à l'intérieur, d'accord. Et donc j'ai brisé le truc pour briser l'emblème, ok, pourquoi pas. Donc là c'est la porte de tout à l'heure. Là c'est un Maccabée qui s'est chié dessus d'ailleurs. Plus d'une fois apparemment. Aha! 1, 2 et 3. Salut les mecs! Non! Ah zut! On voit pas grand chose là. N'aie pas peur, je veux juste. Aïe! Te frapper! C'est cool, mon arme a tenu face à tous ces mecs. Ça c'est vraiment cool. Ce qui veut dire qu'au prochain coup elle va tomber. Alors, il est tombé de par là lui. Je l'ai vu. Ce qui nous ramène au même endroit. Là on a de l'essence, on peut la prendre. Hop, on allume, on lâche, on fait une roulade et on court. Et on repasse par la porte. Bon, hello guys, personne. C'est pas la meilleure des... Enfin, c'est la plus diverse j'ai envie de dire, vous savez, au niveau du contenu qu'elle propose. Mais c'est pas la meilleure, hein. Peur qui pique. Ah, donc le boss est dans la prochaine zone. Il aime pas le surin, d'après ce que j'ai compris. Donc on va remplir notre gourde, c'est très logique. Il aime pas le surin, donc on remplit la gourde. Hop là. Parfait. Et on y va. 1, 2 et 3. Bonjour. Ah, il y a un aboyeur en plein milieu. Ah, un noir avec un masque noir habillé tout en noir comme un masochiste. Noir. Je n'ai rien contre les noirs, mais là ça commence à faire beaucoup trop de noir. Sur une seule personne en fait. Touché. Hop les. Putain, il a des petits cons. Bla, ça brûle. Couché. Sale pète. Pouf. Faudrait que je le fasse courir sur moi dans les flammes. Ça y est, ça brûle hein. Hop, allez, ramène ton popotin. Ah ça va, ça lui fait pas tant de dégâts que ça en fait. Boum. Et gâche! Ils appellent ça des exécutions au surin, mais bon. Des gâches! Hop! Tu es trop gros! Bla! J'aurais pas dû le coller au mur. Des gâches! Blah, je l'ai pas vu venir. Bravo. Allez, viens. Viens, ramène tes fesses. Brûle. Boum, le double. Raté.
Raté. Bla, j'avais oublié ce coup-là. Raté. Ramène ton popotin. Hop les. Allez. Hop. Raté. Ah non, je l'ai raté. Ah, j'ai oublié ce coup là aussi. Encore une fois. Là, bon, je pensais que ça allait marcher à vrai dire. Je l'avoue. Hop. Crac. Ça c'est fait. Prendre le butin. Bon. Bah voilà un caïd qui est... qui n'est plus là. Tuer le caïd. Donc il me faut encore un emblème et 4 ferrailles. Couleur de carrosserie débloquée. Laquelle? Oh, on a aussi débloqué ça. Ouh. On y va. Ça débloque pas le suivant? Non, dommage. Couleur de carrosserie. Non, ça c'est carrosserie, je vais pas y arriver hein. Hop, apparemment on a débloqué une nouvelle. Apparemment est celle-ci. Ouh, bah elle est jolie. La prairie rouge. Non, quoique je croyais l'avoir déjà celle-là en fait. Attendez. Ça me dit quelque chose cette histoire. Plutôt celle-là que j'ai découverte, non? On va la prendre, mais... c'est pas mon style. Mais pas du tout, en fait. Noir goudron, on va prendre la noire goudron, parce qu'elle est stylée. Voilà. Alors, ça, c'est quoi? Tourne la manivelle. Et la bobinette Shera. Voilà. Le butin, quand même, hein. Hop. Bon, on regarde s'il n'y a pas le fameux emblème. En plus, il commence à faire nuit, c'est cool. On est en train de chercher des choses qui vont être illuminées la nuit. De ce côté-là, on a un bon point. Par contre, il nous manque encore de la ferraille, entre autres choses. Ça, par contre, hop. Non, je voulais pas l'utiliser en fait, je voulais simplement voir s'il fallait la faire descendre. Oui, non, non, par contre là il me faut encore des choses. Désolé monsieur le cadavre. J'ai encore tout un tas de choses à trouver dans cette zone. J'aimerais si possible les trouver avant d'avancer plus loin. Ah, voilà, bon, déjà ça. Plus que 3. Alors ça c'est la tyrolienne, j'ai quelque chose ici à aller chercher. Meurs pas. Non c'est bon. Ah bah voilà les 3, c'est cool. Pourquoi je l'avais pas vu ce truc là avant? Parce qu'il était planqué derrière le truc. Hop. 2. Et par contre il me manque quand même un emblème. Et ça c'est nul. C'est nul, c'est nul, c'est nul. S'il me manque un emblème on n'a pas tout. Alors, prenons la tyrolienne, hop. Voilà. Où est donc fichu cet emblème? En plus, faut que j'aille au silo, techniquement. Le silo est là-bas, pourquoi j'ai pas réussi à y aller tout à l'heure? Alors, on y retourne. Enfin, pourquoi je suis pas passé par là-bas surtout en fait? Pourquoi il y avait pas, j'ai pas trouvé de chemin directement qui m'y envoyait? Et pas Kimi Raikkonen. Moi, blague moi-y. Oh, merci les camps. Alors. «
Où est censé être ce fichu emblème? Pas au plafond de quelque chose, non, non, non plus. Bon. Non plus. Il devrait être dans le coin ou pas trop loin. Hein. Là, il y a un passage. Ça m'intrigue. Pas être de l'autre côté non plus. Vraiment, c'est dans le silo, vraiment, donc ça peut pas être là. Comment on se rend dans le silo? Ça m'intrigue cette histoire. J'ai pas vu de seconde échelle. Ah, si, dehors, là. J'allais dire, j'ai pas vu de seconde échelle, mais si, il y en a une là en fait. Ah, le voilà. Bon, bah alors ça c'est fait. Hop, 4 sur 4. Petit visuel. Parfait. On est plutôt bon. On va rentrer dans le silo. Ah oui, d'accord, il n'y avait pas d'échelle du tout pour monter dedans en fait. Ok, pourquoi pas. Le dôme ruisselant. Raté. J'espère que t'étais pas tout seul parce que mon pauvre. Raté. Désolé pour ton bras. Bah bla. Ah, et double touche, double tape. Couché. Alors c'est ça leur voile. D'accord. Ah oui, la fameuse voile pour faire le. La voiture naviguant à l'air en fait. Pourquoi pas. Alors j'ai cru voir aussi un. Voilà. Ah, boum. On va la prendre après tout. Bon. Ça me semble parfait. Donc faut que j'aille en hauteur, sortir. Et enfin. Mettre un petit coup de lance-fusée dessus. Pourquoi pas. Ouais, je m'en doutais, je sais pas pourquoi, je m'en doutais que ça allait de l'autre côté. Ah bah non, même pas. Par contre, il y a rien, bon, c'est dommage. Alors, on monte. Est-ce qu'il va y avoir un DC Sparta? Non, on va pas y en avoir, dommage. Bon, marquez le site. Ce qui est bien, c'est qu'on est obligé de faire le camp à côté, ça me semble logique, vous savez. On peut pas par exemple venir prendre le site en voleur et puis. J'ai une récompense qui m'attend. Ouh, j'ai une récompense qui m'attend. Tant mieux. Alors c'est Pink Eye qu'il faut aller ou c'est. C'est Pink Eye normalement. Je comprends toujours parce que Freya, dans ma tête c'était Freya, c'était une fille. Enfin, c'était une personne de sexe féminin. Mais bon, ce n'est pas grave. Oh putain. C'est chiant, je trouve jamais l'endroit où faut monter. Bon. Ça, c'est fait, chers amis. Hello. We got the sale. It'll come to good use. Still sounds like a fool's errand to me. So is doing nothing. C'est pas faux. Ouh. Tailleur. Ah bah oui, ça me semble assez logique. Jeff, attends-moi, ce sera mon dernier voyage, je te le promets. Quand je reviendrai, si je reviens, je te jure que les choses s'arrangeront. Je t'aime, Adam. Ok, le camp du fouet du tyran est vide. Et Pink Eye a sa bâche. Mais elle n'est pas encore prête à lever les voiles.
Alors, je serais curieux de savoir où est-ce qu'elle est, cette zone. On peut pas la voir. Bon, bah tant pis. J'aurais bien aimé qu'elle soit un petit peu plus en surbrillance. Mais c'est pas grave. Ah, nouvelle mission est prête à prendre. Bon. Elle doit être au nord. Ah, au nord. Bon, qu'est-ce que tu me proposes? La trappe bon fonctionne, ils partiront bientôt. Ils vont crever de soif. Oh, c'est pas bête. I know an undiscovered place of the old world, full of tin cans. More food than you and I could ever eat. Bring back what we need, and you get all that remains. What do you think? Ça veut dire quoi? Santé illimitée? Alors, projet élevage asticot dans la forteresse de Pinkai. Pinkai a besoin de provisions pour la terre, pour la traversée, pardon. Elle sait où il y a des vivres en quantité, trouver cet endroit et récupérer les vivres pour Pinkai. D'accord. Et ça nécessite d'aller, attention. Ça nécessite d'aller ici, apparemment. Ok, il y a encore du boulot. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour ce premier épisode de cette session en tout cas, tout simplement. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Yop.